tous, Eric Le Gaulle chez Galago Music. Donc voilà la suite de Californication, à savoir le solo. Alors le solo, il y a deux choses à voir, puisqu'il y a la partie d'accompagnement également que je vais vous détailler. Donc là, c'est ce que j'ai joué en acoustique au début, j'aurais pu le faire à l'électrique, hein. Normalement c'est tout électrique. Mais c'est pour vous montrer que tout peut fonctionner, quoi. Je vous ferai d'ailleurs la démo du solo sur la Takamine en fin de cours pour montrer que ça marche, même si certains bends sont un peu chaudards, hein, à choper. C'est tout de même faisable. Donc je me rapproche, je vous montre les accords de la partie d'accompagnement, de la partie de la guitare rythmique, et puis on enquille sur le reste. Ok, je me rapproche. Alors, pour la partie d'accompagnement, on a 6 accords que voici. On commencera par un fa dièse mineur, on a une modulation. Parce qu'au début du morceau, on était en la mineur, et là, brusquement, paf, on atterrit en fa dièse mineur, ce qui offre un changement très, 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 très cool, je trouve. Alors, voilà le premier accord, fa dièse mineur. Vous barrez en deuxième case, vous vous rapprochez des frettes, avec l'annulaire et le petit doigt, quatrième case et quatrième case, des cordes de la et ré. Fa dièse mineur, voilà. Ensuite, nous aurons un accord de ré majeur 7, qui se passerait comme ça, qui se placerait comme ça. Alors comment je fais? Je place l'index en cinquième case de la corde de La, je pousse un peu le doigt pour bloquer le gros Mi. Une fois que j'ai fait ça, je vais construire un petit triangle qui fait 7, 6, 7 des cordes de Ré, Sol et Si. Le petit Mi, vous le bloquez. Pas de gros Mi, pas de petit Mi. Ah, c'est ma gratte, ça. Ah, voilà. C'est les petits bonheurs aussi de ma Télécaster et de ces faux contacts de merde. Pardon. On recommence. Ré majeur 7, comme ça, comme ça. Ce Ré majeur 7, vous ne serez pas obligé de le faire. Si vous embêtez, vous pourrez directement faire un accord qui est pire à celui-là. Vous savez, celui où il faut appuyer sur la cinquième case de la corde de La avec l'index. Pareil, le bout de l'index bloque le gros Mi. Et avec l'annulaire, vous pouvez placer, vous allez l'étaler, pardon, sur les cases 7, 7, 7, pardon, 7, 7 et 7, les cordes de Ré, Sol et Si. Le petit Mi serait bloqué également. Comme ça. Vous pourriez le faire éventuellement en Ré majeur triade, enfin en position ouverte, comme ça. Mais a priori, Frucciante le ferait plutôt comme ça. Voilà. Ensuite, nous trouverons un accord de Si mineur. Vous barrez en deuxième case et vous disposez les doigts comme ça. 4-4 des cordes de Ré et Sol, 3 de la corde de Si. Vous pouvez faire sonner la note Fa dièse, hein, c'est pas la fondamentale. La fondamentale est en route 2 sur la corde de La. Mais bon, comme ça, ça fait un son très, très ample. Si mineur, après nous trouverons un accord de La majeur, comme ça. Vous barrez en cinquième case, et vous disposez annulaire, petit doigt et majeur, comme ceci. 7 de La, 7 de Ré, 6 de Sol, le compte est bon. La majeur, très très faux. C'est marrant, la gratte, elle est plus ou moins juste ici, là, et quand je passe au-dessus... Même pour le solo, j'ai dû... bref, dans les cordes aiguës, c'est l'enfer. Enfin, c'est la Télécaster, enfin la mienne, en tous les cas. La majeure, et pour terminer, nous aurons un Mi majeur. C'est le même positionnement que le Ré de tout à l'heure. Sauf que vous le décalez de deux cases à droite. Voilà, donc... je vous montre comment on gratte tout ça. Et après, on attaque donc le solo. Alors, vous pouvez aller télécharger la partage sur galagomusic.com afin de suivre de manière plus efficace peut-être le cours. Enfin, suivez déjà ce que je dis, puis si vraiment vous trouvez que c'est compliqué ou pour avoir un condensé, référez-vous à la dite partage. Voilà. Donc, ça va donner ça. Première mesure fa dièse mineur, je vous le fais une fois normal. Je vous fais même les 4 premières mesures normales. 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai fait 1, je gratte tout l'accord. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'alterne entre l'accord gratté et l'accord où on va juste jouer la basse. Normalement, si vous êtes en groupe, vous n'aurez pas besoin de faire cette petite basse-là. Mais ça, je vous le dis après. Donc pour l'instant, on va l'essayer comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez même la virer si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'après on devra se déplacer. On va la conserver pour le moment parce que cette attaque on l'utilisera en dead note au moment du déplacement. Donc je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et
Donc vous faites entendre l'accord sur le 1, le 4 et le 7. 1, 3, 4, 6, 7. Et après vous feriez Ré exactement la même chose. 1, 4, 5, 6, 7. Vous voyez le 8? C'est la dernière croche et paf, je me balade après vers l'accord qui suit. Ok, donc si vous êtes en groupe et qu'il y a un bassiste et tout ça, vous virez le coup des basses. Vous faites juste 1, 4, 7, 1, 4, 7. Ok, voilà, donc ça c'est les 4 premières mesures de la partie d'accompagnement. Je vous les refais et j'enchaîne. 1, 4, 7. Ah oui, pardon, c'est Ré majeur 7. La toute première fois qu'on rencontre le Ré, il est majeur 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, la deuxième fois, il me semble bien qu'il le fait Ré majeur. Vous pourriez refaire Ré majeur 7. Hein. Ou faites Ré majeur les deux fois, comme vous voulez. 1, 3, 4, 5, 6. Ensuite. Alors, j'ai fait quoi? Je suis en Si mineur. Je vais choper en tout premier ma basse, la note fondamentale. Corde de La. Je vais faire. Donc je fais corde de La, corde de Ré, et je regrette l'accord. Ok. 1, 2, et. Donc vous piquez bien l'accord, vous enlevez le poids des doigts dès que c'est gratté là-bas, mais sans quitter le contact. Hein. Sinon ça fait des sons chelous. Donc. Les fondamentales hein, sur la corde Si mineur, c'est ici, corde de La. Quand vous faites le Ré majeur, pareil, c'est corde de La. En revanche, quand vous faites le La majeur, c'est sur le gros Mi. Et sur la corde Mi, c'est encore une fois la corde de La. Donc, on fait ça et j'enchaîne. Ouais. Après, on retrouvera notre Fa dièse mineur et notre Ré. Encore ça, à nouveau. Et on va attaquer la dernière partie avec une rythmique que j'ai un peu globalisée, parce que je crois qu'il fait des choses un petit peu différentes à chaque fois. Peut-être plus simple d'avoir un schéma, voilà, autour duquel vous pourrez tourner après. Hein. Je vous refais tout depuis, depuis le début jusqu'à là où on est arrivé. 3, alors on a fait déjà les deux tiers. Hein. 3, 4. J'ai fait Si, Ré, La, Mi au niveau des accords, et à la main droite, 1, 2, 3, 4, sur chacun des accords. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ba, 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 ba. Sur le troisième bas, je marque bien un accent. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ba, ba, ba. Donc, ba, 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 ba. Donc c'est sur le bas haut que je vais muter, j'enlève le poids des doigts et j'en profite pour me déplacer. Ba, 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 ba. Donc, vous avez accentué, après c'est un petit aller-retour en dead note. Enfin, ça pourrait être quelque chose comme ça. Hein. Après, je vous dis, on peut tourner vraiment sur les rythmiques qu'on veut. Une deuxième fois pareil. Troisième fois, ce sera pareil pour les accords. Et là, on va changer un peu. On va faire. Et le tout dernier, c'est un Mi majeur que je ne vous avais pas montré dans le déroulé. C'est deuxième case des cordes de La et Ré et première case de Sol. Hein, voilà. Donc, je vous refais toute la partie depuis. Voilà. Je vous refais ça depuis 6 mesures avant la fin. 3, 4.
je vous refais toute la partie d'accompagnement et c'est bon. 3, 4. J'enlève quelques basses là. Maintenant, on attaque le solo. Hein. Alors, pour les réglages d'ampli, là, je me suis remis sur le canal overdrive. J'ai mis un tout petit peu de gain, genre un quart. Voilà, pour filer un petit grain sans être trop saturé, hein, parce que c'est pas vraiment le cas. Si vous êtes en contexte de groupe, il faudra que vous vous rajoutiez une pédale overdrive pour pouvoir passer du son clair au son un peu saturé. Donc, très peu hein, de saturation. Voilà, donc on commence en 10e case de la corde de si. Ça va donner ça déjà. Donc 10e case du si, 1, 2, et après j'attaque 9e case du petit mi, et après je saute sur la corde de sol en 11e case, je vais placer 3 doigts les uns derrière les autres, et je vais bender d'un ton, avant de redescendre la note. Donc il faut que le bend, la hauteur souhaitée, soit égale à celle-ci, le son de la 13e case. Ok, donc... 1, 2, et 3, 4. 2, 3, 4. Je refais. Hein? De toute façon, il le fait deux fois de suite. Alors, 3, 4. 1, 2, et 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour faire le bend, là, vous ne mettez pas les doigts trop à la verticale, sinon la corde risque de vous échapper ou vos doigts vont passer sous les cordes. Vous les mettez bien en position de chasse la neige. D'accord? Comme ça. Clac. Le plus à plat, bon, pas complètement à plat, bien sûr, mais l'idée étant de chasser la corde à côté sans passer par-dessous, et après, bon, voilà, raté, et redescendre gentiment, sans faire entendre la corde d'à côté à vide. C'est peut-être ça le qui peut être embêtant au début. Voilà, en le bossant un peu, vous y arriverez très bien. 1, 2, et 3, 4, 1, 2, 3, 4, deuxième fois, c'est pareil. 1, 2, dès que j'ai fini mon deuxième plan qui faisait ça, 1, 2, 3 et 4 et je rejoue 11e case à partir du et du 3e temps et 4 et ensuite je rejoue ce 11 et je vais faire pull off en 9. D'accord, et j'atterris en 11 du ré. Ok, donc du coup 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3. Donc là, j'ai regratté 9 du ré. 9, 11 du ré. 9 du sol. Ok, on refait ça encore depuis la quatrième mesure du solo. 1, 2, 3. Travaillez bien ça. Donc, il faut que vos deux doigts soient déjà placés. Hein. Lui, il s'en va. Il fait comme si vous filiez un petit coup de pied pour avoir un bon son. D'accord ? 1, 2, 3, et 4, et 1, et 2, 3, 4, et 1. Ensuite, je vais rebender en 11. Un bend d'un ton. Et alors là, il y a un plan très, 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 très utilisé dans tous les solos, que vous maîtrisiez bien. C'est vous bendez, notamment sur la corde de sol, surtout sur la corde de sol, ce plan-là. Vous bendez, vous redébendez, arrivez ici, pull off. Donc, il y a trois notes avec un seul grade de médiator. Ça redescend. Clac, j'enlève et on entend l'index qui était posé derrière. Et atterrissage en 11e case. Ok ? Alors, tout du début, je vous ai dit une bêtise. À la troisième mesure, le rythme du bend arrive une croche avant par rapport à la première fois. C'est-à-dire, première fois. 1, 2, et 3, 4. Il tombe bien sur le quatrième temps.
Et la deuxième fois, il va tomber sur le et du 3, c'est-à-dire 1, 2, et 3, et 4, et 1, 2. Je vous refais la troisième mesure. 1, 2, et 3, et 4, et 1. Ensuite. Ensuite, on continue 10. Donc là, on va démancher. Hein. Donc vous commencez 10e case avec le majeur, 10e case du si, 1, 2, et 9e case du petit mi, 12e case avec l'index, et 14e case. Sur cette 14e case que vous ferez durer une mesure complète, plus un demi-teint, vous essaierez sur les notes longues de faire des vibratos comme ça. Hein. Donc le vibrato, bon, je ferai des tutos là-dessus, mais voilà, pensez vibrato, vous essayez de bouger la main de gauche à droite. C'est pas vraiment le doigt lui-même hein, qui bouge, c'est plus la main qui fait le job. Le doigt, bah, il suit le mouvement, quoi. Donc encore depuis la 1, depuis la 7e mesure, 3, 4, 1, 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4. Ensuite, on reprend pareil, 1, 2, et 3, et 4. Et là, par contre, on va bender en 14e case du mi, avant de le redescendre en 14 normal. Donc, 1, 2, et 3, et 4, et 1, et 2, 3, 4. Ensuite, redémancher 17e case de la corde de mi. Alors, si vous avez une guitare classique, désolé, je pense que vous n'irez pas si loin que ça, notamment si vous n'avez pas de pan coupé, mais bon, voilà. Le cas sur une acoustique, folk, enfin, disons folk à pan coupé, ça peut fonctionner très bien. Donc, 17, 16, 14 sur le petit mi. Ensuite 17 du si, ensuite 14 du petit mi, et ensuite 17, 14, 17, 14, c'est la corde de si. Donc 11e mesure, à partir de 17e case, la 3, 4, donc là c'est des noirs, c'est tranquillou, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ensuite 14. Voilà, au niveau du placement rythmique, 1, 2, et 3, et 4, et. Si vous jouez sur un et, enfin, dès que vous entendez que je dis et, qui est une note entendue, faites une remontée avec le médiator. Comme ça, vous serez vraiment dans un système de découpage, un peu comme les rythmiques, mais en petit, sur une seule corde. Encore, depuis 17. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, et 2, et 3, et 4. Ensuite, on a un super plan de la mort à connaître. Vous conservez l'index en 14e case du si. Vous allez placer majeur et annulaire en... Enfin, plutôt annulaire en 16e case et le majeur en renfort parce que cette corde-là, on va la bender d'un ton. Et on va faire plus que bender que celle-là. On va gratter également la corde de si. Donc on gratte la corde de sol et si. Donc ce qui est rigolo avec ce plan-là, c'est que ça fait vraiment dégueu. Ça fait vraiment dégueu quand on commence à grimper le bend, genre... Ah, crado, crado! Et au bout d'une certaine montée, les deux notes, les deux fréquences de ces deux notes vont se superposer. Voilà, parce qu'on a la note do dièse, et en grimpant, cette note-là atterrira également sur un do dièse. Donc. Et en ce plan-là, trois fois de suite. Et la troisième fois, on sortira avec le petit doigt en 17e case. Ok, 12e mesure. 3, 4, 1, 2, et 3, et 4. Et 1. J'attaque les machins. Donc les trois attaques vont tomber sur des contretemps. Pour autant, évidemment, contre-exemple, on va pas le gratter à l'envers. Plus efficace de le choper comme ça. Donc il faudra bien le placer dans le temps. Donc lui, il part sur le et du 2. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 1. Et 2. Et... Ok. Donc à la fin de chaque bend, de chaque plan comme ça, pour pas qu'on entende le truc redescendre, je vais placer cette partie-là de ma main. L'hypoténard pour bloquer les sons quoi. Donc clac, schlock. Comme ça vous pouvez redescendre. Vous pouvez redescendre vos doigts tranquillou sans qu'on entende un dégueulando là. Oh c'est dégueul. Ok, comme ça, donc 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2. Ok. Ensuite 17, 14. Une fois rendu là, on va redémancher. Je suis à moitié sur la pointe des pieds pour vous montrer ça. On va redémancher, on va mettre l'annulaire en 14e case de la corde demi. Il ne faut pas se gourer ici, je me suis planté plein de fois. Pour un plan qui fait ça, c'est le même plan que tout à l'heure quasiment. Vous savez, le truc qui... on bend. 3, 4.
je monte d'un ton, je redescends, pull off, à la 12e case. Ok. Donc je vous refais depuis la première fois de la 17e case avec les noirs. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Ok, dès que vous avez fait ça, vous descendrez de l'index de deux cases à gauche, 10e case. 12e case ensuite du petit mi, 10e case du mi, 9e case du petit mi, et arrivez sur la note La. À ce moment-là, pile poil sur cette note, le riff de la première guitare reprendra. Ah. Voilà, avec la saturation, c'est pourri. Ok, donc tout le solo, une fois de près, puis après je vous le montre avec l'acoustique, et puis ce sera bon, normalement. Ok, 3, 4. Et 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, et 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 10, 1, 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4, ensuite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Oh non, je suis foiré, 14e case. Voilà, de loin. Voilà, donc j'ai fait une loupe, hein, une boucle avec la partie d'accompagnement. Donc je vais lancer mon looper. Démonstration du solo en acoustique. 3, 4. Le truc comme je pouvais, navré pour les petites fausses notes, en tous les cas voilà, ça peut fonctionner. Alors évidemment moi j'ai du tyran light là, hein. Alors on m'a déjà demandé, avant je mettais des élixirs, maintenant je suis revenu à du dadario, ce que j'aime bien, voilà, bah écoutez, amusez-vous bien avec tout ça, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.